ملي نتوما تقرروا ان تطلقوا احسن حاجه احمي وليداتكم وبعدوهم على مشاكلكم. هذوك مشاكل ديال لي زادول ديال الناس كبار الدراري صار هذاك ما عندهم حتى شي يعني ils sont pas concernés par ces problèmes, ils sont concernés غير حيت نتوما اهلهم. La rencontre d'aujourd'hui a permis de montrer à quel point nos lois sont archaïques en matière de tutelle et de droit de garde au Maroc. Elles doivent nécessairement évoluer. Et aujourd'hui, l'ensemble des participants, des panélistes et l'auditoire appellent solennellement les partis politiques marocains à se prononcer sur leurs ambitions en matière de réforme du Code de la famille dans le cadre des élections législatives à venir. Aujourd'hui, le cadre est un cadre extrêmement strict qui ne prend pas en compte l'intérêt de l'enfant et qui doit être aujourd'hui, selon nous et l'ensemble des panélistes aujourd'hui, mis au cœur du débat sur la question de la garde et la question de la tutelle. L'intérêt de l'enfant est totalement ignoré, alors même qu'il doit guider et dicter toutes les décisions qui sont prises. Et on se retrouve dans une situation de totale, disons, automaticité. L'enfant, la garde est octroyée automatiquement à la mère, alors qu'elle n'est pas nécessairement la personne la mieux placée pour se voir confier cette garde. Certains pères peuvent, dans certaines circonstances, y prétendre également. La tutelle est automatiquement octroyée au père, ce qui est effectivement injuste à l'encontre des mères. Si la mère a des relations après son divorce, elle se voit retirer automatiquement cette garde. De même que si elle se remarie, elle se voit retirer automatiquement cette garde. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il faut cesser avec cette automaticité. Il faut mettre en place des mécanismes qui permettent de mieux comprendre les équilibres au sein de la famille, entre cet enfant, son père, sa mère, les relations entre les parents, et arrêter de faire de cette déchéance de la garde un instrument de vengeance entre des parents divorcés. C'est fondamental. Il y a un certain nombre d'inspirations. On peut prétendre aspirer vers une évolution de cette réglementation en s'inspirant des meilleurs modèles. Et donc nous interpellons vivement les partis politiques à la veille de ces élections à se positionner pour ou contre, à nous faire part de leurs propositions en ce qui concerne la réforme du Code de la famille. Aujourd'hui, l'enfant, quand il y a divorce, est l'élément important. Pourquoi il est l'élément important? Parce que quand vous, en tant qu'adulte, vous décidez de divorcer, l'enfant doit être protégé par la maman et par le papa. Comment protéger son enfant? Eh bien, tout simplement, sans l'utiliser comme étant comme une balle de tennis entre les deux parents. Un enfant ne doit pas prendre la parole à la place de l'adulte. C'est vous, en tant qu'adulte, qui deviez prendre la parole et parler à l'autre parent si vous avez un message à lui passer. Votre enfant n'est pas là pour passer vos messages. Votre enfant, vous gagnerez à le protéger parce qu'à son tour, il deviendra un adulte. Et pour qu'il devienne un adulte et qu'il vive toute son adolescence et sa vie de jeune adulte sainement, il va falloir le protéger et ne pas le mettre comme une balle de tennis entre vous. Protéger votre enfant et ne pas le mettre comme quelqu'un qui va intervenir entre vous. Réglez vos problèmes d'adulte entre vous.